C'est le livreur. Un an et demi après son dernier match en tant qu'entraîneur, Frédéric Antonetti est toujours aussi exigeant. Oui, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes, on a des progrès à faire. Je pense qu'en première mi-temps, on peut mener 2-0 logiquement. Car même si elle ne mène pas 2-0 à la 45e minute, sa nouvelle équipe, le FC Metz, fait très bonne figure à Brest pour son retour en Ligue 2. Le nouvel attaquant du club lorrain, Ibrahim Agnan, s'illustre d'entrée sur corner. Les visiteurs dominent et malgré la réaction brestoise de Belot à la 42e minute, Boulaya est effectivement tout près du break avant la pause. Ensuite, en deuxième mi-temps, je pense qu'on n'a pas assez joué. Je pense qu'il y avait la place pour ne les contrer. Il est vrai que la deuxième période est terne jusqu'à la 74e minute et cette frappe de Renaud Coad, suivie de près par celle du capitaine adverse, Gaëtan Belot. Gaëtan Belot qui peut frapper. Oh, ça passe sur la barre. Le stade brestois a beau pousser jusqu'à la fin, les occasions sont rares. On a été solide derrière, j'ai vu que ce soir quand même on pouvait voyager. Un motif de satisfaction enfin, de quoi relativiser pour la suite. C'est le début de saison et donc on manque un petit peu de confiance, on manque un petit peu de repères surtout. Et c'est un bon résultat, j'espère que ça va nous faire du bien. Malgré un premier succès convaincant dans le jeu, pas question pour le coach d'expérience qu'est Antonetti de s'enflammer. Deuxième étape, confirmée la semaine prochaine à domicile face à Orléans.